Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cercle de danse virtuelle. J'avoue que j'ose le dire, je ris parce que c'est la troisième fois qu'on recommence. Il y a toujours des trucs qui ne vont pas. Et je vais m'améliorer, être de mieux en mieux à chaque fois. Donc je voulais vous dire... Vous voyez, je fais des gestes. Bon, alors je vais rester stable et vous dire que nous allons commencer par une harmonisation individuelle et collective que je propose lors des débuts de cercle quand je les anime. Et là, il me semblait particulièrement important de faire ces mouvements ensemble, vu que cette vidéo va passer le 4 avril, début de ce week-end où il semblerait, je dis il semblerait parce que je ne suis pas astrologue, mais que ce soit un jour d'ouverture de portail, de grandes énergies, fortes énergies vont venir sur la Terre, et où il est demandé de nous unir et de nous rassembler par la méditation à 4h45 du matin, le dimanche. Donc là déjà, j'avais vraiment envie de prendre ce moment pour ce début de samedi, pour faire ces mouvements où nous allons nous relier par ces mouvements faits ensemble, je me répète. nous le ferons sans musique, parce que là, je l'avais déjà montré, et il semblerait qu'on ne m'entende pas, même si la musique est très basse, parce que je n'ai pas un timbre de voix très fort. Donc je vais parler un peu plus fort, et vous dire que nous commencerons, je vais vous les montrer, et après on les fera ensemble, je vais les montrer un tout petit peu en accéléré, pour que si vous avez envie, vous puissiez fermer les yeux. Donc déjà, nous écarterons les pieds de la largeur du bassin et nous nous relierons à la terre. Vous m'entendrez, je le dirai comment. Ensuite, il n'y a pas de mouvement à faire, nous nous relierons au ciel. Et là ensuite, viendra ce mouvement où mes mains aussi sont dans la terre. Et là, je monterai vers le ciel, donc je vais le faire en plus vite. Je monterai, je me relierai au ciel. Je descendrai mes mains jointes dans la lenteur et je passerai devant chacun de mes chakras jusqu'au cœur. Là, je me connecterai au cœur en mettant mes mains sur le cœur. Ou vous pouvez aussi le mettre entre vos mains, comme vous voulez, si vous l'avez entre vos mains. Ensuite, nous ferons ce mouvement comme si nous allions chercher au plus profond de notre cœur cet amour avec un grand A qui est là et que nous offrirons au monde. Et puis, je dirai certaines intentions. Voilà. Ensuite, nous ouvrirons les bras en bombant un peu le torse pour bien dégager cette zone, tout cet espace. Et vous resterez le temps qui est bien pour vous, mais à la fois connecté à cet axe vertical, à cet axe qui nous relie à l'infini. Et ensuite, en ramenant les mains sur le cœur. Voilà. Donc je ne vais pas mettre de musique. Nous aurons le silence, le chant du silence. Et c'est très beau aussi avec les oiseaux. Et ensuite, j'ai mis une danse qui s'appelle « Gracias a la vida ». Qui est une danse qui pour moi est importante en ce moment, parce que nous sommes bombardés d'informations négatives et la vie elle est toujours là avec ses joies, ses beautés et comme je disais une phrase, je ne sais pas de qui elle est, mais qui résonne souvent en moi, c'est « si tu savais remercier pour tout ce qui t'est donné, il ne te resterait pas une seconde pour te plaindre ». Et je pense que là, en cette période, il est bon de porter notre regard sur tout ce qui nous amène de la paix et de la joie. Donc, gracias a la vida me semblait importante, là, pour remercier justement tout ce que nous avons envie de remercier. Ce sera chacune. C'est en espagnol. Comme je ne suis pas chez moi, je n'ai pas le texte, donc peu importe. Merci, elle dit à un moment, les pieds, ça j'ai compris, mais c'est merci la vie. Merci, merci, merci. Voilà. Donc, je démarre les mouvements. Nous écartons les pieds de la largeur du bassin.
et je me concentre sur la plante de mes pieds qui s'étale sur le sol, sur la terre si vous êtes dehors. Mes pieds sont bien étalés, les genoux légèrement fléchis. Et de ces plantes de pieds vont partir des racines qui vont s'enfoncer dans la terre. Descendent et à un moment donné vont se rassembler toutes ensemble pour former une seule et même racine puisque nous sommes tous interreliés. Donc une seule grosse racine qui descend et descend jusqu'au centre de la terre. De cette terre qui est si belle et qui nous donne tant, nous relions à elle dans son cœur. Et de là, je remonte dans cette racine commune. Je repars dans mes propres racines. Et je reviens sous la plante de mes pieds. Et là, je me sens stable, bien ancrée. Et de là, je continue, je monte le long de mon corps pour arriver jusqu'à la tête, au sommet de la tête. Et là, je peux visualiser aussi que je m'ancre, que des racines partent du sommet de ma tête et vont s'ancrer dans tout cet espace. J'unis la matière, celle qui est sous mes pieds, à la conscience, à l'esprit. Et bien aligner les mains qui sont vers le sol. Je peux aussi imaginer que mes doigts s'enfoncent dans la terre et la caressent. Et là, je vais ouvrir les bras assez lentement pour bien prendre conscience du mouvement que je fais. Et toujours bien ancré dans mes pieds. Et je monte les bras. Je rejoins le ciel. Et mes mains se rapprochent. Et se touchent. Et de là, je vais les descendre doucement. En passant devant les chakras. Le front, la gorge, et j'arrive au cœur. Et là, soit je croise mes mains sur mon cœur, soit je fais comme si mon cœur était entre mes mains. J'ai les mains en coupe et je sens mon cœur qui est entre mes mains. Et je le remercie. Et là, je fais ce mouvement où j'ai mes mains qui font comme si elles allaient creuser dans cet espace, d'aller au plus profond de mon cœur pour contacter cet amour avec un grand A et l'offrir. Je l'offre aussi bien à tous ceux qui sont dans ce cercle, tous ceux et celles bien sûr, tous ceux qui sont unis à chacune des personnes de ce cercle,
à tous ceux qui sont dans la confiance, la paix, la sérénité, pendant que j'ouvre mes bras. Je l'offre à tous ceux qui souffrent, dans leur corps, dans leur esprit. Je l'offre à la terre entière. Et quand mes bras sont de chaque côté, je les mets un tout petit peu en arrière pour ouvrir l'espace du cœur, bomber le torse, ouvrir cet espace et recevoir tout ce qui nous est donné. Là, je suis bien au centre de mon axe vertical, horizontal, qui me relie à tous, à l'infini, et dans la lenteur qui est bonne pour vous, je vais ramener les mains, tout doucement, sur ce cœur. Il reste quelques secondes. Et avant de faire cette danse gracias a la vida, nous pouvons faire monter du plus profond de nous-mêmes le mot gratitude que nous pouvons répéter 3 fois. Gratitude. Gratitude, gratitude. Et voilà, et nous revenons tranquillement et nous allons passer à gracias a la vida. Juste endroit pour que vous puissiez m'entendre. Donc là, je mets ici pour vous dire que c'est un pas un peu de samba, c'est comme ça que je l'appelle. Donc ce pas-là que je vais vous montrer. Pour vous montrer l'orientation, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça, on le fera 8 fois. Ensuite, la même chose sur ce pas, 4 fois. On ira vers le centre, mais je vais vous le montrer. Ensuite, nous connectons la terre, nous connectons le ciel et nous reculerons 4 pas de samba pour revenir sur le cercle, sur la périphérie et tourner sur nous-mêmes sur 8 temps, avec le bras gauche qui connecte la terre, qui contacte la terre, et le bras droit vers le ciel. Et vous le faites, si vous faites des danses soufis, vous faites 2-3 fois si vous y arrivez, ou 1 fois lentement, voilà. Donc ça, la musique va se mettre en route, et moi je vous montre exactement. Donc là, je ne parle pas, ben j'ai qu'à faire la danse tout de suite. Ou non, je vous fais juste la première partie et après je la remets. Voilà, si tu veux bien mettre la musique. Pas évident, oui. Gracias a la vida que me ha dado tanto, he dio dos tus celos, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, mi luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, siento
martillo, turbina, ladrido, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Qui s'appelle Prosefki, prière. Alors il y a tout un texte, mais je m'en souviens plus et j'ai pas mes feuilles ici puisque je suis partie un peu précipitamment avec ce confinement. Donc, mettez toutes les intentions de prière que vous avez envie d'y mettre et que nous avons envie d'y mettre. Donc, je vous montre sans la musique. Et après, je me tairai puisque je suis trop bavarde et je parle pendant qu'il y a la musique, c'est pas terrible. Donc, c'est une musique, une danse sur quatre temps. Droite, gauche, droite, gauche, balance droite, balance gauche, balance droite, balance gauche, pose droit, pointe, pose gauche, pointe. Centre, 2, 3, je ferme, balance, 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 et reviens, droite, gauche, droite et gauche, je vous la remonte, 1, 2, 3, 4, bien conscience de nos pieds qui se posent sur la terre, balance, 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 cette terre à qui j'envoie tout mon amour et toute ma gratitude. Pendant cette danse, je marche, je vais vers le centre. Mon centre est le centre de nous tous, toutes ensemble. Je balance, et je reviens sur le cercle. Voilà, donc on va la faire tout de suite en musique. Thank you.
La troisième danse, c'est In Memoriam, les choristes. Vous allez reconnaître cette musique. Elle est très simple aussi à danser. On va finir avec celle-là. Et après, pareil, je resterai pas très longtemps, mais un moment, juste là, sans bouger, à l'écoute de ce qui se passe en moi, autour de moi. Donc, je vous la montre, In Memoriam. Non, pardon, c'est face au centre. Alors, j'ai plus le rythme en tête, là, je le retrouverai avec la musique. C'est 1, 2, 3, je plie. 1, 2, 3, droite, croise devant, droite, croise derrière, balance droite, balance gauche. Encore. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Gauche croisée, droite, gauche croisée derrière, balance, balance. Encore, comme ça, vous me verrez de dos, pardon. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, droite et gauche et droite et gauche, une fois croisée devant, derrière, balance, balance. Une dernière fois, droite, gauche, droite, droite, légèrement pliée, gauche, droite. Gauche, j'ouvre droit, je croise devant, j'ouvre droit, je croise derrière, je balance. Voilà. Donc, je commence là, les choristes.
juste vous dire que si vous avez envie de la faire plus lentement, au lieu de faire 1, 2, 3, ce qui est très agréable aussi, mais là, ce serait trop long, c'est ti da da dam, da 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 dam. Bah, vous diminuez, je sais pas comment on dit, hein. Vous faites deux fois plus lentement. 4. Et c'est très agréable aussi, voilà. Donc, je suis super heureuse pour cette deuxième rencontre. J'envoie tout mon amour et toutes mes pensées les plus chaleureuses à toutes les personnes que je connais et que je ne connais pas, puisque Luc et Geneviève vont diffuser cette vidéo. Et merci d'avoir dansé avec moi dans ce cadre où je ne peux qu'exprimer ma gratitude à chaque pas, à chaque respiration. Merci et à la prochaine !